Hello, 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 guys. Ça qu'a fait mes amis, pas nous, Valérie, qui rentre la caille, nous connaît. Depuis, mon entre la caille, s'il va bien pour le dire, ou bien pour le barreau, ou bien pour le montrer. Je dis, moi, je vais vous montrer comment nous capable faire un bon petit dîner pour nous mettre dans l'assiette famille. Et il très simple, je connais tout le monde qui a fait. Qui ça a besoin? N'a besoin de grand beef. Viande moulue. Fais attention, le n'a l'acheté viande moulue, il faut que nous ayons marqué 93% lean et 7% fat. Ça veut dire qu'il faut que 93% viande, ok, meat, et puis 7% fat. Si nous ouais, il y a plus fat, parce que la marquette, là, on va l'acheter viande moulue ou bien grand beef. Parfois, il y a 85% lean ou 80% en lean, et puis reste là, c'est fat 20%. Fat, pas acheter parce que la plus chère, préférez acheter ça plus cher là et puis pour nous capable manger et grand beef qui pas gagné trop fat. 93% lean, 7% fat, c'est lui pour nous prendre. Comment vous préparez grand beef? Il est vraiment simple. Vous juste mettez un petit huile d'olive chauffée et puis vous mettez le fruit, vous mettez un petit oignon, un petit citron et puis un petit piment et puis boum, mené. Bien simple. Après ça, m'a besoin beurre. Beurre là, moi j'ai un fourni déjà. J'ai besoin d'une graine d'œuf. Je vais mettre un petit peu d'épices adobo là-dedans. Je vais battre et puis je vais là. J'ai besoin d'une petite farine. Vous êtes capable de dire ça pour faire farine. Eh bien, je vais vous montrer comment, qui ça me va faire avec farine. Nan. Si côté où il n'y a pas de tortilla, parce qu'on a besoin de tortilla, parce que c'est une tortilla avec grand beef que je vais faire. Si vous n'avez pas de ça, ou ka bat on farine parce que c'est pâté qu'on va faire farine non OK et puis on utiliser farine ça ou fin préparer ou cuit li puis après on prend pour faire soupe pâte à ka joindre ça côté que ou y a bien rapide en aller moi je mettre grand beef là si vous voulez mettre cheese ou ka mettre cheese avant que vous mettez grand beef là mais moi-même allergie à cheese moi pas mettre et ça fait que moi pas mettre cheese nous mettez grand beef là comment mettre mettez trois tortillas ensemble. Mais comment vous y est? Yon en l'air, yon à droite, et puis yon à gauche, et puis mettez grand beef là. Faut grand beef là, li presque dans mi temps, au milieu. Mais faut tous les trois capables de joindre. Mettez tout. Mettez tout grand beef là. Voilà. Je vais fixer. Nous recommandons lié, et puis nous prenons le ployer pour capable et utiliser beurre là avec zéa. Comment que nous ployer? Premièrement, nous prenons bord à gauche là, ok, nous mettons sous bord droite là, ok, et puis nous prenons partie qui en l'air. Nous mettons sous lit. Nous prenons partie qui en bas, nous mettons sous en l'air. C'est kounya me pral utiliser farine nan que me bat avec un petit glo pour me capable coller pour pas ouvrir. Mettel, mais comment mettel sous et puis nous coller, mettez sous en l'air là. Un petit farine encore passer là et pendant ce temps fournant lui-même l'a chauffé à 350 degrés bien fermé tout côté nous cap décoller nous passer petit farine et puis pour capable bien chita. Mais comment bien border. Et puis, moi, j'ai un petit pinceau. Ça m'a pris avant. Ça, c'est Zéa. Ça, c'est Zéa. Je vais passer le soulier. Et puis, ça, c'est beurre là. Je vais passer le beurre là sous lit pour capable balayer belle couleur. Normalement, il y a une petite qualité de beurre, n'importe beurre, nous sommes capables d'utiliser.
faut nous gagnons un plateau pour nous mettre ma viril pour nous capable mettre beurre ou petit beurre en bas tout même pas mettre œuf côté que les vachis ta partie pas acheter dans plateau là moi pas mettre œuf m'a mettre beurre seulement c'est souvent là mettre œuf. Et puis, on va mettre le chita dans le plateau. Pas besoin de grosser le plateau parce que je mettais le beurre en bas. Mais mes amours, mais comment lier? Mais comment lier dans le plateau? Pendant le plateau, je vais mettre le beurre, je vais mettre les œufs, beurre, et puis je mettre un petit œuf encore en l'air. Parce que je vais mettre pour le crunchy. Faut bien moulu bien préparé. Mettez un petit acide là-dedans. Voilà, mes amours. Et puis, je vais mettre dans l'oven en bas. Fouan, je vais mettre à 350. Ok, mes amours. Automatiquement, je vais vous montrer à qui ça que nous allons manger. Et nous capable dire nous tout nous capable faire l'autre choix et salade ou bien l'autre mite pour nous manger. On va mettre dans bafoua à tout à l'heure. Hey, tortilla paré. Ouais, mais comment sorti mes amours? Moi ouais, comment il sorti? Bien belle et on va couper là pour nous capable ba ouais tout gens en dedans. Mais il y a petit gens chaud, moi je prendre avec un petit papier napkin. On dit non, mais mais en bas, mais comment sortir? Par un bif là-dedans, tortilla avec un grand bif. Un bras coupé, et puis pour capable, exactement et comment en grandir. Et bras montrer nous tout à qui ça que moi-même, on va le manger. Et me couper. Ah, chaud. Oh my god, on me dit un petit papier, c'est chaud. Ok mes amours, nous avons chaleur à sauter en dedans, mais comment les sortir? Et ça, soit l'acheter dans un market comme ça, et mon sauce, ça seulement, la bien cher, mais au même moment, on est capable de faire là pour contour, mais comment que les sortir? Mais comment les sortir? Et si nous mettons dans une assiette, nous sommes capables de manger avec un laitue, tomate, nous faisons salade laitue avec tomate, et si nous avons mangé un peu de viande, parce que le grand bœuf là déjà, c'est mit lié. Si vous voulez manger plus de viande, vous êtes capable de mettre un petit chicken, barbecue chicken, whatever, fried chicken, baked chicken, et puis vous faites une salade de laitue avec tomate pour manger. Moi-même, je vais vous montrer nous à qui ça que je vais manger. Je vais manger avec un chouette. Ok, je vais manger avec un chouette, des fruits chouette là. Ok, mes amours. Je vais manger avec un chouette. Et puis avec un végétal parce que nous sommes monde qui aime végétaux en plus. Végétal ça c'est une carotte, un céleri et concombre et cauliflower qui mélangé ensemble un fril et puis m'a mettre les sous côté assiette là. Si ou ba famille ou petit ou maman papa ou bien sou éviter nous amis viennent manger la caillou. Il ne peut pas passer un petit moment pour capable bailler deux trois blagues ça qu'arrivé parce que dans la vie on pas qu'à tout le temps pour être ses travail on capable éviter nos amis filles venir chita nous manger on bailler deux trois blagues et puis nous parler de tout et de rien. Voilà mes amours, mes assiettes là, vous voyez comment, vous voyez mes amours, regardez comment les belles tortilla with ground beef mix of vegetables and shrimp. C'est vraiment joli and hefty. C'est une assiette qui vraiment son assiette qui est en santé avec des hefty plate et que lorsqu'on mange ça on senti on capable dire on bien manger. Et puis après ça c'est de l'eau pour boire. Ok, c'est de l'eau parce que nous connaissons de l'eau c'est meilleure boisson en vie. Ok, si nous estimons que moi fais un bel travail et nous remet assiette moyen et n'a pas moyen un bel petit like
et puis n'a commenté, n'a dit ce que nous aimons, et puis n'a partagé avec l'autre monde qui t'a aimé faire une belle assiette dîner comme ça pour famille. Et ou bien mon qui n'a diète, elle est capable de faire ça, mais le ça elle pas manger en pile dans tortilla. Si vous n'avez diète, la prend moitié dans ça, et puis avec un végétal, parce que l'offre fait diète, comme moi toujours dit, faut nous contrôler la qualité et la quantité de la nourriture. Comme moi dit non, grand biflam maintenant dans tortilla, c'est 93% mit poulet, 7% fat. Le noir la manquait pas juste grab ou prend n'importe bagay, faut nous capable faire lecture de lui-même, faire lecture de les beaux qui sous produisent. Pour nous garder date expiration, quand c'est fat là, on le voit encore. M'a montré nous comment pour nous faire lecture de les beaux, y mettez sous tout produit, quel que soit été pour manger ou bien l'autre produit. Abonnez, please. À la prochaine.